Cette nouvelle histoire de la Shoah qui vient juste de paraître est née d'une nouvelle génération de chercheurs, d'historiens, d'historiennes, mais aussi de sociologues qui ont voulu présenter les nouvelles problématiques de la Shoah sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années. Ces nouvelles problématiques portent essentiellement sur les victimes, aussi bien en France que sur les autres territoires européens. Les stratégies de sauvetage, que ce soit en Union soviétique ou en France par exemple, l'extermination des Roms, mais aussi des handicapés, et aussi tout de nouveaux enjeux de mémoire et de transmission qui ont lieu justement 75 ans après les faits. Les derniers survivants, les derniers témoins de ces événements disparaissent, et il est maintenant de notre devoir de pouvoir transmettre cette histoire. Et donc, c'est pour ça que nous avons consacré toute une partie de ce livre à la transmission aux étudiants, aux lycéens, de cette mémoire, comment organiser ces voyages de mémoire, comment maintenir cette mémoire et cette histoire vive pour les générations qui viennent, pour ceux et celles qui ne connaîtront pas ces témoins, ces contemporains de la Shoah. Il y a 20 contributeurs à cet ouvrage. Ce sont des historiens, ce sont des pédagogues, ce sont des professeurs de lycée, des sociologues qui ont travaillé à la fois dans les archives, à la fois avec des lycéens, mais également sur le terrain. Plusieurs contributeurs ont accompagné des étudiants sur les lieux de mémoire, mais également ont produit des sources. Je pense à l'équipe de Yahad Inounoum qui a, et c'est très novateur, interviewé des témoins des fusillades, des témoins des crimes en Europe de l'Est, et qui propose une contribution qui me semble extrêmement intéressante parce qu'elle permet de donner la voix aux témoins. Cette nouvelle histoire de la Shoah se base sur des sources extrêmement variées qui proviennent aussi bien de centres d'archives en France et pour ceux qui travaillent sur d'autres territoires, de centres comme à Washington ou Yad Vashem à Jérusalem. C'est finalement la somme d'un travail archivistique considérable qui se trouve dans ce livre. Et grâce à l'apport de ces chercheurs, le public français peut avoir accès à des sources auxquelles il n'aurait jamais pu avoir accès. Déjà en raison des difficultés d'accès de ces sites, mais aussi en fonction des langues, car quand on veut étudier la Shoah sur ces territoires, il faut maîtriser un grand nombre de langues, et tout est réuni dans cet ouvrage justement pour pouvoir donner un accès à ce public français.